Bonsoir à tous, bonsoir, bienvenue en GKLF, GKLF du vendredi soir, qui est souvent une case qui m'est attribuée. Je crois que je suis à l'heure, je crois que tout fonctionne. Je suis en effet dans ce magnifique canapé, on m'entend et on me voit, c'est magnifique. Ce soir au programme, oui c'est magnifique parce qu'on est, on sait qu'on n'est pas forcément habitué. Ce soir au programme de ce GK Live, un micro qui va rester là où il est déjà. Et surtout, Monster Hunter Stories 2, dont la démo est disponible sur la Switch. Le jeu sortira sur Steam et aussi sur Switch, mais la démo n'est disponible que sur Switch. On va donc la découvrir ensemble. Mes cheveux sont verts, mais c'est la faute de l'âme. Ben, qu'est-ce qui s'est passé encore? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais j'imagine que c'est une blague. Hop, tac, tac. On va se mettre en pitié. On va commencer direct. Là, mes cheveux sont pas verts, mais à la limite, on s'en fout, c'est pas très grave. Monster Hunter Stories 2, donc la suite d'un jeu qui était sorti en 2017 sur 3DS et qui se proposait en fait de rendre une formule et une licence très très exigeante et très très pointue, très destinée à un public expérimenté, à la tourner vers un public bien différent, un public beaucoup plus jeune, public je pense de joueurs d'une dizaine d'années, des gens qui sont plutôt touchés d'habitude par Yo-Kai Watch et par Pokémon, en appliquant à Monster Hunter un filtre sensiblement similaire à ces licences-là, en tout cas d'un point de vue visuel, mais aussi d'après ce que j'ai pu lire dans le test de Boulap qu'il avait fait à l'époque, d'un point de vue univers, mécanique, des choses qui visiblement étaient déjà beaucoup rebattues. Le jeu a d'ailleurs pas été spécialement bien accueilli à l'époque par Boulap, qui lui a collé un petit 5 quand même, voilà. Qui a été un peu accueilli sympa ailleurs, mais tiennement chez nous. Et j'aurais tendance peut-être à suivre les goûts de Boulap sur le coup, mais je découvre, voilà, je vais découvrir avec vous, parce que je ne connais pas cet épisode-là en particulier. Donc, on va voir ce que vaut cette démo. J'ai mis les textes en japonais, l'inverse, les voix en japonais. Et les textes en français, je vérifie qu'il n'y a rien de spécial à prendre en compte. Non, je pense que non. Voilà, ça c'est que la luminosité d'écran. Et bah écoutez, on est parti. Je sais absolument pas ce qui nous attend. Je vois que certains d'entre vous ont déjà fait la démo. Je sais pas du tout si on va remplir une heure par exemple. Ou s'il y a plus même. Voilà, j'en ai strictement aucune idée. On y va un petit peu à l'aveuglette. Mais voilà, donc une suite qui s'offre un petit, probablement un petit boost de... un petit boost de technique, puisque le jeu avait notamment souffert, le premier épisode, Monster Hunter Stories, avait quand même pas mal souffert de la technique de la... un peu limitée de la 3DS, d'une 3DS très très vieillissante quand même en 2017. Donc là, ils vont profiter un petit peu de la Switch. Même si on est d'accord que la Switch, ça reste pas exactement la caille du coin en termes de technique. Ok, petit éditeur de personnages, même pour la démo. Bon, elle est jolie, moi, cette coiffure, j'aime bien. Qu'est-ce qu'on va mettre? Des grands yeux, quoi, ça. Bon, elle va pas y passer la nuit, de toute façon. C'est pas l'intérêt. Un petit sourire coquin à la Gotenk, là. Hop là. Du maquillage, mais non, au naturel, c'est très bien. Une petite voix, évidemment. Ça, c'est l'apanage de Monster Hunter. J'ai pas le droit d'entendre? Ah, tester la voix, il fallait. Voilà, d'accord, ok, très bien. Ok, très bien. C'est pas très grave. Non, elle va s'appeler Leia. Ah, très Star Wars-esque. Eh ben écoute, partons sur Leia. Il y a largement plus qu'une heure, me disent tout le monde. Tous les gens, bah merci pour le retour. Eh ben écoutez, bah tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Ça t'es con de se retrouver le bec dans l'eau. Confirmer les changements, oui. Allons-y. Et donc, ce Monster Hunter-là, qui, si j'ai bien compris, cette sous-série, on va dire, ce spin-off, se basait notamment sur la collecte de monstres à travers la chasse aux œufs. Les œufs qu'on voyait d'ailleurs en bas à droite pendant le temps de chargement. Et voilà, là, on rejoint un petit peu le côté Pokémon, Yo-Kai Watch, etc. dans l'aspect collectionnite, n'est-ce pas? Qui évidemment, dans un certain sens, match plutôt pas mal avec l'univers de Monster Hunter. Où d'habitude, on essaie plutôt d'obtenir les scalps des créatures plutôt que de les garder avec nous, mais voilà. Alors, j'ai quand même l'impression qu'on va avoir droit à l'ouverture du jeu, en fait.
Salut Zivéline. Le son du jeu est pas très fort. Ah oui, n'hésitez pas à me dire sur le mixage. Ah oui, non, mais il doit être même... Attendez. Oula, trop fort. Bah, pourtant, j'ai pas monté grand chose. Faudra que je revoie avec Hubert et avec Julien le mixage de tout ça parce que j'ai monté de un tout petit cran et vous avez. On a le même problème que la dernière fois. Avec un son qui me faut. Numériquement, n'est-ce pas? Est-ce que c'est pas mal? Alors, il y a une jeune fille qui s'enfuit. J'ai touché à tout. Ah oui, quel couillon, j'ai touché le master. Attendez, hop, on va revenir à la mano. Tac. Ouais, j'ai touché là. Je suis désolé, c'est vendredi soir. Déjà que d'habitude, bon, vous me connaissez, c'est pas forcément évident. Et là, si j'ai pas les yeux en face de trou. Alors je sais pas, ceux qui ont fait la démo et qui ont fait peut-être le premier, est-ce que ça a l'air de partir exactement sur la suite des événements? L'histoire est liée, nous, c'est Oxys. Ok, très bien. Ah, je suis là. Nani, kore? Kyōchō ka? ているの。
Très bien. Je ne me targuerai pas de dire que j'ai tout compris, mais ok. Le village, et oui, parce que forcément, qui dit Monster Hunter dit forcément village de chasseurs et village de départ. Et c'est la même chose pour Monster Hunter Stories, visiblement. Et on est sur Switch, donc le framerate, comme vous le constatez. なぜ俺たちに無断で聖なる山へ入った。なぜ危険なレウスが生息しているのに、どうして黙っていた。危険なレウス。聖なる山にいたのは島の守護をしているマモリレウスだ。はっ。そのレウスのせいで負傷者が出たのだぞ。それはあんたたちが守りレウスに武器を向けたからだろう。 T'as encore fort ? レウスに武器を向けるなんて許されることではない。レウスを聖なるモンスターと崇めるあんたたちの考えはまるで理解できん。おお、俺たちは相容れないようだな。はい、そこまで。二人とも閣下しない。 島のお祭りにハンターの皆さんを呼んだのはハンターとライダー、お互い仲良くなりたかったからじゃない。ケイナの言う通りだ。子供たちも聞いている。冷静になれ。ない、ガラ様。それじゃハンターさんの話を聞きましょうか。危険なレウスって言ってましたけど、どういうこと？情報が入ったんだ。 この島に破滅の翼を持つ危険なレウスが生息していると。破滅の翼？え、翼？その翼が羽ばたくとき、世界は滅びると言われている。ガラ様、破滅の翼だなんて聞いたことがありません。破滅の翼か。それはリオレウスにまつわる伝説だ。古の時代。 この地に世界を破滅に追いやったレウスがいたという。でも、それは伝説なんですよね。ではあるがな。今我らがすべきことは異常事態が発生した原因を突き止めることだ。そうですね。なんで海の色が変わったのか。あの光は何だったのか。レウスはどこへ行ってしまったのか。 Ah bah voilà, comme ça ils ont écrit les enjeux noir sur blanc. Voilà ce qu'il nous faut comprendre. Oui, je m'en suis rendu compte, le regard que je lui ai choisi. Je m'attendais à ce qu'il soit pas tout le temps comme ça en fait. Elle a vraiment l'air d'être. De prendre le soleil dans les yeux tout le temps. Quoi. Tu veux te joindre à notre expédition? Écoute, bah. Si je dis non, c'est la fin du jeu. On vient de devenir un rider, donc j'imagine c'est rider. C'était le monstre de ton grand-père, voilà. Très bien. Donc, en effet, on apprend très vite que le héros du 2, le héros du 2 est donc petite-fille du héros du 1. ええ。調査隊に加わる。ガラ様。お前が横についケイナを師とは仰ぎ、ライダー。ケイナを師と仰ぎ？不服か？とんでもない。ウキウキワクワクです。今この時から、私があなたのライダー。オッケー、ルチュート。まずはライダーの服に着替え。 Eh oui, le béaba, bah oui, forcément. Alors, une lumière rouge inquiétante apparaît la nuit du festival. Le rata gardien protecteur de l'île disparaît. Quelle est la cause de ces étranges événements? Le chef Gara ordonne aux riders du village de mener l'enquête et vous faites alors vos premiers pas en tant que rider. Très bien.
Progresser en histoire, utiliser L pour bouger. Bon, bah oui, ça va, ça va. Non, mais ça va. Ça va aussi. Ça devrait aller. Oui, on voit direct le public, d'accord. Je peux sauvegarder de chez moi, évidemment. Ok. Alors. Bon, on va pas trop s'éloigner parce que forcément, on n'a pas forcément toute la vie. Donc on va aller droit au but, n'est-ce pas? Toujours le RE Engine d'Internet. Le RE Engine, le même qu'on connaît. ライダーはモンスターと絆を結んで自分だけのお供を手に入れること。 Oui, oui, bah la liaison, c'est l'apanage de la Switch, hein, de toute façon. Ça fait partie des trucs qu'elle ne peut pas se permettre. Ok, donc elle me prête une monture. J'ai vraiment l'air hébété, H24. Du coup, je sais plus quand elle est vraiment étonnée. Ah bah c'est sûr que ça change un peu du Monster Hunter classique où il faut juste leur péter la tête. C'est pas la même... pas la même philosophie quoi. Il y a le bon chasseur et le mauvais chasseur. Enfin là on n'est pas un chasseur ceci dit, oui. Ça change pas tant que ça, tu vas toujours leur péter la tête. Et y a pas une histoire de... J'ai cru comprendre, en gros on glane des œufs, mais forcément tu pètes la tête à papa-maman s'ils tombent dessus. Le menu du coin, accéder aux objets, très bien. Les notes du Riders avec le suivi de la progression, j'imagine. J'ai Ranma et moi à la sortie du village. Le menu camp, alors donc... Ok. Ok. Bon, de toute façon, on va y aller parce que je pense que ils me la prendront sur le tas. Je pense pas que je puisse changer d'arme pour le moment. Ouais, c'est juste des techniques. Ouais. Ok. Eh bien, allons-y. Alors. Trouve un œuf, nous dit-on. Ah oui, donc c'est toujours. Bah oui. C'est pas full open world. Très bien. Nous sommes donc sur l'île Akolo. Laisse faire les vannes. Hein. Moi, c'est vendredi soir, je me mets en pause un petit peu. Il y a une tanière de monstres dans la forêt sud de Kamuna, c'est là où nous allons. Très bien. Et bah feu... Ah oui, c'est pas loin, ça va. Bon, pas se paumer normalement. Appuie sur Y pour le monter, pour en descendre, et tu peux l'appeler... Si tu le fais encore une fois, il saute très souvent. Très bien. Allez. Wouh ! Ah, et je peux sauter. Et ça, c'est ce qu'on aime.
sprinter. Alors, on va faire la bagarre. Faire la bagarre. Est-ce qu'on fait la bagarre? Normalement, je vais faire la bagarre avec mon copain. Tac. Tin, 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 tin. Un aptonote. C'est un bagarre pour les débutants. Alors, section de combat très donc une attaque de force, donc on retrouve le même jeu de Shifumi autour des catégories d'attaque force, technique, vitesse, qui se, si j'ai bien compris là encore les mots de Bulldog, qui se dominent ou se dominent les unes les autres. La force bat la technique, voilà, la technique bat la vitesse bat la force, ne dis pas ça, tout ira bien, je risque de l'oublier d'ici tout à l'heure, mais c'est pas grave. Attaque un adversaire qui te vise, déclenche un duel, une ligne de combat indique qui est en train d'être pris pour cible. Si tu remportes le duel, l'adversaire subira des dégâts importants et ta jauge d'amitié se remplira de manière significative. Ah ! Égalité, parce qu'il a fait force-force. D'accord. Mais j'ai quand même attaqué. Bon, je peux tout piger. Donc là, ils essayent de me dire, vu qu'ils utilisent des attaques force, il vaut mieux que j'utilise des attaques vitesse. C'est ce que vous essayez de me dire. Allez, essayons. Voilà, j'ai gagné. Double attaque, on peut faire une double attaque avec les monstres. Remporte un duel en attaquant le même adversaire avec le même type d'attaque, cela lui infligera beaucoup de dégâts, annulera son attaque et remplira ta jauge d'amitié. Très bien. Alors. Alors là, je sais pas. En fait, j'arrive pas à savoir qui attaque. Ah oui, d'accord, en bas. Donc là, c'est. Ok. J'ai deux fois le type de la bataille, du coup, d'accord. Expérience pour tout le monde. Ah non, ça doit être... est-ce que c'est l'XP ou est-ce que c'est la jauge de... la jauge d'amitié, ça doit être en bas, je pense. J'imagine. Pas très clair. J'ai une notation, des résultats, plaplapla. J'ai des points. Ça sert à quoi les points? Des objets, voilà, évidemment. Bonsoir, Naiden. Jauge d'amitié, c'est comme le mana, en gros. Ok, très bien, c'est pour lancer les spéciales, tout ça, j'imagine. Voilà, si on utilise une herbe. Non, mais ça va. Ok. Allez. Alors, j'imagine qu'on va pouvoir glaner tout un tas de trucs par la suite. Voilà. Visiblement, c'était déjà le cas dans le premier. Ok, donc c'est toujours des grandes zones. Alors, on va devoir faire la bagarre. Coucou. Je me déplace tel un joueur de Counter-Strike. Ah, donc on est les mêmes. Donc on a un vélo cyprès. Bah non. Pourquoi il s'appelle pas pareil? Le même, non? Donc ils ont dit, il est plus rapide, donc je pense qu'il va falloir utiliser technique, non? Je crois que j'ai compris. Évidemment, pour se soigner, on a déjà une sacrée collection d'herbes de soins, dites-vous.
pas compris pourquoi il a attaqué tout seul, mais bon. Ah, ma monture a un prénom, d'accord, très bien. Mais il répond ou quoi? J'ai l'impression qu'il peut contre-attaquer. Alors... jauge d'amitié, justement. Sélectionnez talent depuis le menu combat pour utiliser tes talents. Bon, ils te feront baisser ta jauge d'amitié, évidemment. Si elle est pas, oui, c'est spécial ou quoi. Trois types ils peuvent déclencher un duel. Bon, faut aller voir. Alors, talent, quoi. Ok, donc moi, faut que je fasse tact technique. Ok. Bien. Je vais pas vous dire que je percute tout, mais c'est comme d'habitude. À force de pratique. En fait, je capte pas surtout. Des fois, j'ai l'impression d'ordonner l'attaque de mon héroïne. Des fois, j'ai l'impression d'ordonner l'attaque de la bestiole. Mais c'est pas clair de qui fait quoi. Ah oui, voilà. Donc, un peu comme dans Pokémon, ils ont des capacités spéciales utilisables dans le sur la carte du monde. Quand tu chevauches un monstre capable d'utiliser acrobat, appuie sur B sur une plateforme de pierre pour sauter jusqu'à une zone normalement hors d'atteinte. Très bien. Ah oui, donc les plateformes de pierre blanches. Super jump. Ah oui, voilà, c'est un vélocidrome. Bah non, mais c'est pas son nom du coup, hein, Ranmar. Hein. Si, c'est un boss des vélocidromes. Purée, c'est compliqué. C'est fou. C'est un alpha en gros. Je peux ramasser des herbes, bah oui. Je me doute bien. Je me doute bien. Ah, on peut ramasser à dos de bestioles. Bon, ça c'est bien déjà, parce que quand même. Hein, quand on doit descendre. Oh, c'est pas mal pour de la Switch. Moi j'avoue, en plus j'ai un rendu cradingue, la télé est beaucoup trop grande, mais sur petit écran, je pense que ça doit être. Ça doit être sympa. Il y a des squelettes. Pour le moment, c'est des zones quand même qui sont très linéaires, très balisées. Oh, pardon. Je suis désolé, décidément. Ouais, je pense qu'en dessous d'une dizaine d'années, quand même, ça fait beaucoup de trucs à assimiler. Mais bon, faut jamais sous-estimer les pitis. Mais bon, après, j'essaie de réfléchir. Réfléchissez à quel âge vous avez commencé vos premiers RPG. C'est une indication. Mais c'est vrai que je pense qu'une dizaine d'années, ça me paraît bien. Et ça me paraît être le public cible à vue de nez. Hein. 17-13 ans, je pense. Non mais vous prenez pas comme exemple alors, j'ai rien dit. Oui bah oui, c'est comme moi, on a joué à des trucs qui n'étaient pas forcément hyper adaptés. Bon, on a réussi hein, ceci. Y'a des pâtes l'œuf? Pâte
claire cette histoire. この生き物はアイルっぽいけど、なんか違う。俺のカリスマ的オーラは隠しきれないようだな。その通り。俺はアイルーだけど、そんじゃそこらのアイルーじゃない。世界を救った伝説のアイル、その名もナビルーだ。ナビルー？伝説のアイルって聞いたことないけど。 Non, mais on va pas se laisser secouer par une mascotte KFC, hein. Allez, y'a là le gros poulet. Alors, ah oui, mais alors attends, Mustiz. Ok, donc là, c'est que je pense quand on a une équipe étendue et qu'on peut changer de monstre. Là, voilà, par exemple, ce que j'arrive pas à capter, c'est. Donc, ah oui, d'accord. Donc, moi, le, on voit en bas. Ranmar, il fait toujours attaque vitesse. D'accord, donc moi, je peux faire un autre type pour voir. Ah oui, c'est annoncé, c'est ce que disait Boulap. Ok, c'est annoncé d'entrée. Moi je peux faire un autre type pour voir si par exemple il est sensible. Ça doit reporter les choses avec leur griffe. Cool story. Dans les talents, du coup, les talents, ça pioche dans la jauge. Ah, les jauges. Ah, oui, d'accord, c'est chiffré pour le coup. C'est du Shifumi avec de temps en temps une égalité. Et qu'est-ce qu'il fait lui? Ah! Évidemment, on épaissit un peu l'ensemble avec un changement d'arme. J'imagine que ça va nous utiliser un tour. Et oui. Ah, quoi que, non, parce que c'est bon. Partie du corps et physiologie, les grands monstres peuvent avoir différentes physiologies qui affectent l'efficacité des armes tranchantes, complètement performantes. Ouais, en fait, c'est beaucoup du tâtonnement, si j'ai bien compris. C'est pas spécialement de l'observation. Enfin, c'est spécialement de l'observation. Partie du corps brisé. Oui, tu prends un tuyau tâtonne quand même. Hein.
Faut tout essayer, après le jeu te dit ce qui a bien marché, d'accord. D'accord, d'accord. Une fois qu'on a tâtonné, on voit que le jeu met des indications sur ce qui a fonctionné. On est vraiment en train de taper dans un rocher, là. Purée. Il y a mieux, quand même. Ah, elle s'est mise dessus. Comment on fait? Moi aussi, je veux faire des attaques fusionnées. Comment on fait? Pourquoi? Lancer son caillou, lui. Allez, bam! L'observation, c'est voir s'il est en colère, s'il bave, s'il tient un caillou. Donc ça revient quand même de la série principale. Voilà, par exemple, il est à terre. Oula! Oui, d'accord. Elle en a multiplié quasiment par... si ce n'est par 10, au moins par 6 ou 7. Donc là, il faut que je change de... Bah, je veux changer des... Ah, mais il me balise, là! Ah oui, c'est nul 24, parce qu'il voulait pas que je change d'arme. Koulou Yaku se relève. Est-ce que je peux... Se prendre, d'accord. Je vois. Ah oui, elle est là, la jauge d'amitié, non, d'accord, ok. Là, je crois qu'elle est pleine, par exemple. Et là, après, on peut aller en selle. Ok. Quand la jauge d'amitié est pleine, donc tu peux chevaucher ton monstie. Ça permet au monstie de récupérer autant de PV qu'en dispose le rider de regagner toute sa vie. Plus attaquer la défense sont renforcées. J'ai pas percuté le truc de la vie. De récupérer autant de PV qu'en dispose le rider. On dirait les problèmes de maths en jeudi. Si Pierre a plus de pommes que Jean, qui en récupère deux de plus que Marc. Alors, les talents d'amitié puissants ne sont utilisables qu'en selle. On emporte un duel, on attend en selle, on augmente le niveau d'amitié, ce que vous... Ok. Après, on tombe de selle, ok. Ah ouais, tu peux faire des doubles talents d'amitié en équipe. Eh bah! Le sandwich sur le sandwich du sandwich. Alors, mais oui, ils ont l'air d'avoir... Non, mais c'est vrai. Ils ont l'air d'avoir repris une grande partie de la grammaire du jeu initial. C'est déjà un bel effet. Là, par exemple, ok, talent d'amitié. Je sais pas spécialement ce que c'est. Ok, là, c'est la double-double. Scène spéciale, j'ai la Noïne toujours là. Waouh! Il y a une invocation! Eh bah! Et oui, voilà ce que c'est le vrai pouvoir de l'amitié, ne l'avons-nous pas appris à travers tant de shonen? Des trucs et des machins. Oui, c'est ça, oui. Ça fait péter la moitié de la terre pour tuer une autruche, exactement. Les combats durent à peu près 3h30, j'ai l'impression, par contre. Ouais, faut voir... Faudrait pas basculer dans le sac à PV, l'autre dont on voyait pas la jauge, là, c'était un peu pénible. Bon, et puis sans surprise, c'est très bavard. Mais bon, c'est le début, on va lui laisser le bénéfice du doute. Pas le cas sur tout l'ensemble. Oui, oui, c'est le tuto, Kev, bien entendu. Après, j'imagine aussi que je connais pas les trucs, donc je mets plus de temps à prendre mes décisions et à comprendre. Ok, donc l'histoire de la jauge, c'était juste pour... Oh,
本当に変わったいるね。卵も手に入れたことだし、村に戻りましょうか。Et oui, on a un œuf. Voilà. Le premier. Je sais pas combien il y en a. Combien il y en avait à peu près des monstres dans le premier ? C'est genre plusieurs dizaines ou. Ok. Carte de Riders ont été ajoutées. Vous pouvez désormais utiliser la boîte à prière. Putain. Ça me fascine toujours quand ils rajoutent des couches de. De gameplay, d'interface, de mécanique comme ça en. D'un coup, t'as des trucs qui apparaissent, on me dit ouais, maintenant tu peux faire ça. Quoi ? Mais d'où ça sort ? J'avais déjà pas compris les premiers trucs. On m'a ajouté des choses. Alors. Carte de rider, c'est quoi ça ? C'est des cartes de profil que tu peux donner aux autres joueurs. Elles te permettent de partager les données de ton équipe et de ta progression. Tu peux écrire un petit paragraphe à propos de toi dans la section salutations. Très bien. Tu peux les partager, ok, c'est un genre de tag. Quelques dizaines sans compter les sous-espèces donc pour les créatures. Okay. Donc là voilà, c'est un peu ce que j'ai fait, un pourcentage de victoire. Ok, ça va, pas grand chose à comprendre. Les notes du rider, ah en fait c'est plutôt très bien, très bien, très bien, tant mieux. Ok, bon. Où c'est qu'on va déjà ? Voilà, je crois. Non. Perdu. Je peux aller à gauche, toi. Ouais, non, il faut que j'aille par là. Team. Mais quel doigt ? この卵を見つけたのはお前なのか？ああ、そうだぞ。俺は違いがわかるアイルーだからな。なるほど。ケイナの言う通り変わったアイルーだ。だが確かに見る目はあるようだな。これは見事な卵よ。立派なオトモンが誕生するだろう。どんなモンスターが誕生するのかしら。ウキウキワクワクだね。さあ、卵の前に立って。Oui, c'est vrai qu'on a, on a un framerate qui fait un peu yo-yo hein, depuis tout à l'heure, globalement. Entre les cutscenes, les phases d'exploration, les combats, globalement, on est loin de. Qu'est-ce que tu fais ? Le maïs de l'île. Le maïs de l'île. Le maïs de l'île. Le maïs de オトモンが無事に生まれてくるように祈るときに舞うの。おお、そうなのか。En tout cas, en termes de mise en scène des cutscenes, etc., y a les moyens. C'était pas aussi soigné sur Scarlet Nexus. Oh, si, y en a certaines, ça va. Il y en a certaines qui étaient aussi soignées que celles-là. Pas toutes. Daijoubu. Shinjite. Et oui, évidemment. Évidemment. Un Kuluyaku. Oui, c'est logique, ceci dit. Il n'y avait pas vraiment de surprise. Un petit Kuluyaku.
Un Kulugaku qui peut donc visiblement évoluer, ouais, comme un Pokémon, quoi, finalement. Qui a un talent passif, consommer plus de jauge d'amitié, permet d'utiliser les talents à pleine puissance, augmente très légèrement la puissance des talents. Total P, consommer plus de... Ok. Et bouclier de pierre en talent actif, donc ça c'est une capacité, on va dire. Ok. Et avec donc une espèce de sphérié en haut. Alors lui c'est marrant, il y a plus de cell shading que... Ou alors c'est juste parce qu'il est plus petit, ça se voit plus. On le sent plus, ça non, non, les personnages ont un peu aussi cell shading, mais il est plus fond. Non. Kangekita, Redo ni misete yaritakatta zo. もしかしてランマル、一緒にいたいの？何それ？私にはそんなに懐いてくれなかったじゃない。ランマルも見る目があるみたいだな。あんたはちょっとガサツそうだから。何よそれは。わかった風な口聞いてくれちゃって。そういうところだって。まあいいじゃないか、ケイナ。ちょっと悔しいけど。君たちの絆の力を見ちゃったから返してくれとは言えないな。Donc voilà, du coup, on se fait déjà son équipe. 任せたわよ。De deux créatures, donc. ランマルもこの子と一緒に成長するの。いいわね。よかったな、ライダーさん。Et donc j'imagine qu'il y a une forme de d'évolution, n'est-ce pas ? Quelque chose comme ça, parce qu'il va pas rester tout petit poulet. Je pense. Sateto, Lanmaru mo otomon ni natta koto da shi. Chōdo yoi. Raider no kanmondai ni su ga dekita. Ano takadai desu ka ? Vous voyez vers une nouvelle tanière de monstre. Asoko wa ne, shima no raider ga saisho ni iku basho nano. Watashi mo Redo ni iwarete hitori de itta wa.あの時はまだランマルにライドするのに必死で、ワクワクよりもドキドキだったな。あ、oui, il est tout de suite grand poulet。ライダーとして独り立ちする。OK, très bien。この機会に己の力を試すがいい。Pas d'évolution à la Pokémon。そう思うだろう、ケイナ。ガラ様の言う通りね。まだまだひよっこちゃんだけど、この調査には。あと、あそこを登るにはランマルが必要だ。俺もライダーさんのためにそれじゃ今からライダーの心得その2調合探索やバトルで役立つキャンプメニューから調合を選んでアイテムを組み合わせると別のアイテムに大変身調合レシピを上げるからレシピ通りに素材を集めて回復薬を作ってみてそれとクエストボード前で教えることもあるから次はそっちにしDécidément. Puissance du jeu, c'est les gènes, mais tu le verras après. Ah oui, parce que oui, vous le disiez tout à l'heure, on joue un petit peu à Monsieur Hammond, apparemment. Ok. Visite les écuries pour gérer tes monstres et tes œufs. Tu peux y faire éclore des œufs ou y modifier ton équipe. Quand tu as un œuf, une bulle de texte jaune apparaît au-dessus du chalfrenier. Du chalfrenier. Fais éclore les œufs que tu as trouvé pour obtenir de nouveaux monstres, tu pourras leur donner un nom, ça c'est fou. Évidemment. Et donc, si je comprends bien. Attendez, c'était où ? Combiné, c'est directement à la volée depuis le menu. Ah oui, donc là c'est la recette en fait. Mais c'est fini, oui. Bon, il est 18h20. On va essayer de faire une dernière
genre de quête. Ah, je peux accepter les quêtes, et ben voilà, c'est ça. Ah bah, le parallèle avec Level 5, Vegamix, je crois qu'il a été de nombreuses fois dressé pour ce qui est Monster Hunter Stories. Ouais, une heure de didacticiel, et encore, hein. Et encore, c'est pas fini, hein. Alors là, il me dit les quêtes annexes, les machins, très bien, et on peut paramétrer les marqueurs, ok. Je n'oublierai pas ce que je t'ai appris, je te promets ce que tu m'as appris, je te promets. Vous pouvez désormais accepter les défis secondaires, la consultation des 4 étages, j'ai trouvé le camp. Ok, alors par où c'est? Il est où le cucu, il est où la tête? C'est là-bas. Départ en expédition, vous allez choisir une heure de départ. Soirée, moi j'aime bien. Oh, regardez comme c'est beau le soleil qui se couche. C'est rose pastel. Incroyable. Même enfin, c'est joli. Ouais, la flûte, c'est... Ça va. C'est sympa, je peux nager. Ah non, pas nager. Ah, il faudra quelqu'un pour nager. Et oui, il faudrait que je nage sur le dos d'une bestiole. Mais je crois que j'ai réussi à citer deux fois les trois frères dans ce live. C'est, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Alors, comment je... Non, c'est pas ça. Voilà. Hop. Alors. Tac. Ah, il est là le machin. Ça va, ils sont pas là. Oula! Oula! Eh bien. Base des tanières de monstres. Certaines tanières de monstres se trouvent en extérieur, d'autres dans des grottes. Les fouiller peut te permettre de récupérer des œufs. C'est logique. Les emplacements des grottes renfermant des tanières de monstres changent à chaque fois que tu pars à l'aventure. D'accord, donc ça c'est jamais les mêmes. Tanières de monstres rares. Des shiny. Pour des gènes rares. Ah ça y est, c'est la première mention des gènes, en effet. Ok. Donc Lottie sert à guider pour trouver les œufs. Oui, ça j'ai compris. Prenons des champignons bleus, allons-y. Hop, on combine, ça fait une potion. Alléluia. Cristaux aussi, cristaux. Minerai de fer, d'accord. C'est pas mal, hein. C'est joli. Ah, c'est quoi ça? C'est un truc que je peux combattre? Hé, hey, la bagarre! Non. Ah bah quand même! Les bnabras! Tout l'air d'être une grosse mouche quand même. Hein. La technique là, ce qui va changer. Ah non, il utilise encore la technique. En fait, je me demande si une fois ciblé la façon d'agir de l'adversaire, le combat devient pas un peu chiant. Parce qu'une fois que t'as ciblé un peu le type d'attaque. Spam un petit peu celle qui est censée la dominer, et puis rideau. Parce que
peux monter ici. Alors, je peux. Ah non, lui, il sait pas faire escalade. C'est tant pis. En même temps, ça se voit. Hein. J'aurais pu m'en douter. J'aurais pu m'en douter. J'ai pas vu un coffre. Non, mais oublie-moi. Donc là, pour le coup, c'est un peu des genres de donjons, on va dire. Quelque chose comme ça. Ah, oublie-moi, toi, attends. Des bestioles. Non, mais attends. Ah! Il y a un œuf là derrière. Il y a un nid en tout cas. Ah d'accord. Merci Lucky Nuke pour les précisions. Non, les monstres en rage échangent de type d'attaque et tu as ensuite les parties du corps, la sensibilité aux éléments, aux différentes armes. Ok, donc ça s'enrichit par la suite. Et bah tant mieux. Ok, donc il dit ils sont rapides, machin. Donc normalement, faut que ce soit. C'est la technique. On pourrait aussi changer de monstre et faire une double attaque parce que du coup, Ranmar il fait des vitesses. Et du coup, si je prends Kuluyaku, il fait des techniques. On fait double technique. Et théoriquement, on va lui faire une spéciale. Ah non, c'était pas capacité active. Bouclier de pierre. Ah, forcément, on va un peu le bully. Mais en effet, les premières fois que tu rencontres un boss, donc la jauge est. Alors, les monstres énervés utilisent des stratégies, des attaques différentes, sont trop en colère pour cette stratégie. Et bah voilà, justement, l'illustration de ce que vous étiez en train de me dire. Donc là, on sait un peu moins ce qu'il va faire. Est-ce que je dois me dire que par exemple, comme il est rouge, il fait de la force? Je vais essayer. Parie sur ça. Bah tiens. Paf. Eh oui. Quel talent. En selle, donc là où il a jaugé pleine. On va lui en mettre plein le museau. Talent d'amitié, oui. Explosion d'œuf, ça s'appelle. Il est 18h30, c'est vrai, mais on va juste lui... On va juste un peu le bully et puis regarder l'attaque spéciale en plus. Donc à faire, puisque c'est un peu l'intérêt aussi. Ah oui, d'accord. Littéralement... Oh là ! Du QTE ! Parfois, il y a des confrontations spéciales, exécute l'action indiquée pour encourager ton monsti. Évidemment, il y a la jauge d'amitié qui est en... Sorte grandi. On va rester là-dessus parce qu'il est toujours dans le rouge ou alors je me trompe. Non, il est toujours dans le rouge. Pan. Et du coup, j'aurais dû changer de monstre aussi parce que du coup. J'avais pas fait vitesse ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Ah bah voilà. Bah voilà. On sait ce qu'il faut faire pour ne pas avoir de GKFL. Il faut aller sur les créneaux des jeux pour les plus jeunes. Voilà, tout simplement. C'est ça qu'il faut qu'on se... C'est vers ça qu'il faut qu'on se tourne. C'est là qu'on trouve du challenge à notre... à la hauteur de notre talent.
Et bah voilà, écoutez, 18h31, c'était une heure sur la démo de Monster Hunter Stories 2, qui, ma foi, je le confirme, ça a l'air d'être un peu plus d'une heure quand même, parce que le jeu est relativement bavard et il met un peu de temps quand même à se mettre en place. Donc voilà, je pense que, à vue de nez, je sais pas comment ça se goupille, je sais pas comment, si vous allez me confirmer ou pas, mais voilà, j'allais dire 2-3 heures. Soxalis me confirme que c'est quelque chose comme ça. Donc c'est disponible sur Switch jusqu'au 7 juillet pour ce qui est de la démo gratuite. Le jeu sortira quant à lui sur Switch et sur PC. Mais j'ai oublié la date, je sais que c'est la semaine prochaine, ou enfin c'est très vite, mais j'ai oublié la date. Le test est de toute façon arrivera au moment de la sortie, hein, sans, le 9 juillet, oui voilà. Merci beaucoup, merci à tous. Et voilà, il sera évidemment sur le site de référence. N'hésitez pas à aller jeter un œil par vous-même sur la démo, elle est encore tout à fait accessible. Oh, j'ai fait un rang S, incroyable. Petit point sur ce qui est disponible, évidemment sur le site, Madingue est en train de vous le faire. Il y a la deuxième partie du Gaijin Dash qui a été tournée cette semaine, non, qui a été tournée la semaine dernière, qui a été tournée la semaine dernière et qui est consacrée à, mine de rien, la carrière fleuve de notre cher Greg qui fête ses 30 ans dans le métier. Moi j'en ai à peine 10, incroyable quand même, hein. 30 ans et toutes ses dents. Butin, oui, qu'on vient de... Butin de 9e épisode qu'on a posté cet après-midi, en effet, et qui est disponible. Et le papier Second Life de JV devrait, quant à lui, être disponible dans le courant du week-end, avec aussi, si je ne m'abuse, un récap, une sélection de tous les jeux indés, en tout cas de ceux qui nous ont tapé dans l'œil, pendant le 3 2021, avec un global, des coups de cœur de chacun, des membres de la rédaction. Voilà, vous devriez trouver ça, je pense, d'ici dimanche. Bah écoutez, merci d'abord d'avoir été avec moi, merci beaucoup. Je vous souhaite un très bon week-end, portez-vous bien. Et puis demain, il y a l'émission, évidemment. Une émission dans laquelle on fera un petit récap des 6 mois qui viennent de s'écouler. Profitez de votre week-end, reposez-vous bien, on se dit à très vite. Bye bye.